Les membres du Conseil national pour la protection sociale installés dans leurs fonctions, la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale se concrétise. Et puis les secteurs de l'agriculture et de l'énergie au Burkina Faso intéressent les hommes d'affaires français. Ils ont rencontré leurs homologues du Burkina pour parler partenariat. Et en RDC, quatre des proches de Jean-Pierre Bemba arrêtés, l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo qui attend toujours son procès à la CPI. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous aux 20h de la télévision du Burkina. La protection sociale au Burkina Faso a fait l'objet d'une rencontre ce matin à Ouagadougou. La politique nationale de protection sociale adoptée en septembre dernier par le gouvernement entame sa mise en œuvre. La première session ordinaire tenue ce matin a parlé du fonctionnement de cet organe d'orientation et de décision en matière de protection sociale et fait le point des actions entreprises. Point d'orgue de la réunion, l'installation des membres du dit conseil. C'est le chef du gouvernement burkinabé qui a présidé les travaux, Bouma Ernest Nebier. Au cours de cette première session du Conseil national pour la protection sociale, il s'est agi notamment de l'installation officielle des membres du dit conseil et des actions déjà entreprises par le gouvernement en matière de protection sociale au Burkina Faso. Il était question d'installer les membres du Conseil national de la protection sociale et également de donner les grandes orientations en ce qui concerne la protection sociale pour les années à venir. Également, s'il s'agissait de faire le point sur tout ce qui a été mis en œuvre par le ministère en ce qui concerne la protection sociale. Il s'agit pratiquement de ce qui a été fait en ce qui concerne l'assurance maladie, de ce qui a été fait en ce qui concerne les filets sociaux, et également ce que le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire a fait sur le ciblage. Le travail qui a été fait dans le sens de déterminer une liste nationale en ce qui concerne les personnes vulnérables. Au terme de la rencontre, des recommandations pour une mise en œuvre efficace de la politique nationale pour la protection sociale ont été faites. Les conclusions auxquelles nous sommes parvenus nous serviront-elles de feuille de route pour poursuivre nos nobles ambitions sur la question de la protection sociale? J'estime que les objectifs de cette première session ont été largement atteints. Maintenant, il nous reste à donner corps à toutes ces recommandations afin de poser les bases pour accélérer la réduction de la pauvreté, des inégalités et favoriser l'inclusion sociale. Le Conseil national pour la protection sociale est présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Les membres qui le composent sont pour la plupart issus des départements ministériels et de la société civile. Et puis la lutte contre les mutilations génitales, il en est question à l'Assemblée nationale depuis hier. Une pratique néfaste qui a la peau dure au Burkina Faso, malgré la lutte engagée depuis des années pour son abandon. Les députés burkinabés et leurs collègues de l'Association des partenaires européens, des parlementaires européens, partenaires d'Afrique, réfléchissent sur leur rôle dans ce combat des échanges en vue de se donner de nouveaux arguments. Sogrinoma Ibrahim Digma. Des mutilations génitales féminines, chacun des députés dans cette salle en a déjà entendu parler. L'Assemblée nationale du Burkina Faso a même légiféré sur la problématique. Il s'agit donc, au cours de cet atelier national parlementaire, de se doter de nouveaux outils pour avancer dans la lutte jusqu'à l'éradication totale du fléau. Nous allons avoir une série de conférences pour nous rappeler les conséquences des pratiques de ce type, notamment l'excision, et demander aux élus de prendre des initiatives pour que la loi puisse être appliquée, que l'on réfléchisse ensemble pour aller au bout de ce combat-là pour qu'il y ait zéro mutilation génitale féminine dans notre pays. Dans son nouvel élan de lutte contre les mutilations génitales féminines MGF, le Parlement burkinabé est soutenu par le réseau AWEPA, l'Association des parlementaires européens partenaires de l'Afrique. Nous travaillons avec le FNUAP et l'UNICEF sur la lutte contre l'excision. Et notre rôle, c'est d'appuyer les initiatives de cette commission et surtout de répondre aux demandes de renforcement des capacités et aussi de mettre en évidence ce problème en Europe. Selon les chiffres du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, toutes les 10 secondes, une fille subit une mutilation génitale quelque part à travers le monde.
Le Burkina Faso est l'un des rares pays de la sous-région en avance dans la lutte contre les mutilations génitales féminines, MGF, et son parlement est un pionnier dans l'adoption des lois anti-MGF. Pourtant, aujourd'hui encore, le taux de prévalence dans certaines régions du pays atteint des pics. Et l'une des conséquences de la pratique de l'excision, les fistules obstétricales qui mettent les victimes de ce mal au ban de la société. L'ambassade des États-Unis vole au secours des femmes malades prises en charge par la Fondation Rama. Le concert organisé à cette intention a permis de récolter près de 5 millions de francs CFA, une œuvre saluée par les bénéficiaires. Isaïe Parkouda, Bouma Ernest Nebier. Plus de 4 millions de francs CFA ont été collectés à l'issue de ce concert. Un concert de charité organisé par l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso à l'intention de la Fondation Rama, une fondation qui aide les femmes victimes des fistules obstétricales à retrouver le plaisir de vivre. Elle prend en charge les soins médicaux et la formation de ces dernières pour faciliter leur réinsertion sociale. Chaque année, au niveau de la Fondation Rama, nous pouvons enregistrer 150 à 185 femmes par année. Et le geste qui vient de poser ce soir est venu vraiment pour nous appuyer, pour que nous puissions vraiment prendre en charge toutes ces femmes qui sont attendues à la Fondation Rama. Le fondateur de l'ISIC International a soutenu la cause en offrant 1 million de francs CFA. Cette soirée de charité est l'initiative de Mme Meg Rix, précédemment membre du corps diplomatique et en fin de mission au Burkina Faso. J'ai visité Rama Foundation il y a 18 mois et j'étais toujours impressionnée avec les femmes et leurs défis. Donc pour tous les artistes, pour tous les contributeurs, de créer une soirée comme ça, c'est incroyable. Je suis vraiment contente. Alif Naba, Rouvan, Fabienne Thibault ont tous accepté de prester gratuitement sur scène pour marquer leur adhésion au noble combat que mène la Fondation. La Fondation Rama a pour ambition l'élimination pure et simple de la fistule obstétricale au Burkina Faso. En économie, des hommes d'affaires français explorent des possibilités d'investissement au Burkina Faso. Une concertation a eu lieu ce matin avec leurs homologues burkinabés sur d'éventuels partenariats. L'énergie et l'agriculture sont les secteurs qui intéressent les opérateurs privés de l'Hexagone. Moumouni Soubega. Intervenant dans les domaines de l'agroalimentaire, de l'énergie, de l'aménagement et de la santé, ces opérateurs économiques français sont à la recherche de partenaires au Burkina Faso. Ce forum initié à cet effet permettra aux hommes d'affaires français de présenter leurs opportunités et de découvrir celles du Burkina. La Maison de l'Afrique, dont l'objectif est de représenter les économies des États africains à Paris, a pour mission d'organiser ce genre d'événement et qu'en plus elle croit aux opportunités qu'offre le Burkina Faso. Et donc il était logique qu'en collaboration avec la Chambre de commerce et industrie du Burkina Faso, nous organisions cette délégation. La Chambre du commerce et d'industrie du Burkina partage cette initiative. Pour sa présidente, elle va favoriser la formation des alliances stratégiques, gage du transfert du savoir-faire et de consolidation des liens d'amitié entre les hommes d'affaires. La Chambre de commerce et les entreprises, par le relais de l'ambassade de France ici, entretiennent de très bonnes relations avec les entreprises françaises. Et nous pensons que les hommes d'affaires burkinabés saisiront ces occasions-là pour signer des partenariats entre les sociétés françaises et burkinabées. Le conseiller économique de l'ambassade de France au Burkina a salué la tenue effective de cette rencontre. Pascal Carrère a de ce fait invité les opérateurs économiques français à profiter des opportunités qu'offre le Burkina. À ce forum, il est prévu une présentation des opportunités d'investissement au Burkina Faso comme le projet pôle de croissance de Bagré et le programme de développement intégré de Samandini. Des agents de l'administration publique burkinabé qui renforcent leurs connaissances en comptabilité matière pour une gestion maîtrisée des biens de l'État. Cela se passe à l'ENAREF et c'est le ministère de l'Économie et des Finances qui offre ce cadre de formation au nom de son programme d'appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques. Plusieurs modules sont au programme de cette série de sessions. Des précisions avec Jonas Wemba et Sylvestre Da.
Des modules comme la comptabilité matière et le budget programme sont abordés au cours de cette formation. La comptabilité matière est une discipline de gestion des biens, une application du logiciel de gestion comptable développée au sein du ministère burkinabé de l'économie et des finances. La formation vise à amener les gérants de l'administration publique à s'approprier cet outil. Il leur permettra de gérer rationnellement les biens mobiliers et immobiliers de l'État. C'est un programme d'appui institutionnel qui est fortement axé sur les acteurs, les ressources humaines. Et comme les ressources humaines, leur renforcement des capacités passe essentiellement par les formations, nous avons effectivement ciblé l'INAREF pour effectivement assurer cette formation-là. Le programme est appuyé par la délégation de l'Union européenne au Burkina qui entend aider le gouvernement à renforcer ses finances publiques. L'Union européenne financera à hauteur de à peu près 80 millions de francs CFA ce cycle de formation dans les finances publiques. Et cela s'inscrit dans un cadre plus global d'appui à la stratégie de croissance du Burkina. Donc à titre indicatif, c'est à peu près 56 milliards de francs CFA que nous débourserons cette année au budget de l'État. Près de 400 acteurs des finances publiques vont bénéficier de cette formation. Formation qui est prévue pour prendre fin le 20 décembre 2013. Parlons changement climatique à présent dans ce journal. Avec le programme national d'adaptation aux variabilités et aux changements climatiques qui fait l'objet d'une journée de partage. Le PANA, exécuté depuis 2007 au Burkina Faso, a permis de développer des approches et des pratiques pour faire face à ces changements climatiques. Les acteurs ont fait le point des résultats et des acquis engrangés par le programme et ils ont parlé du futur. Ernest Kambiri. Comme réponse à la forte vulnérabilité des populations rurales au changement climatique, trois projets ont été exécutés au Burkina dans le cadre du programme d'action nationale d'adaptation à la vulnérabilité au changement climatique. À Ouagadougou, les résultats et acquis obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets qualifiés de pilotes font l'objet de partage et de dissémination entre acteurs concernés. C'est une œuvre que nous avons conçue ensemble. Et il est bon, il est juste et équitable que nous repartons vers en tout cas ces mêmes acteurs pour leur montrer le fruit et les résultats du travail que nous avons mené ensemble. Faire prendre connaissance des approches pratiques et résultats du PANA, c'est partager les acquis des projets avec les acteurs nationaux et sensibiliser toute la communauté nationale sur les enjeux et défis que posent aujourd'hui les changements climatiques. Aujourd'hui, c'est l'occasion de magnifier, amplifier les résultats obtenus dans le cadre de ce programme. Programme qui visait essentiellement à renforcer les capacités au niveau national, mais aussi au niveau communautaire pour une meilleure réponse, pour une réponse renforcée par rapport au changement climatique. Vous avez vu comment avec les techniques de ZAI, comment avec les fosses fumières, comment avec les plantations au bord, autour des berges, on peut éviter l'ensablement. Tout ça, c'est des techniques qui nous permettent de valoriser ces terres dégradées et nous permettent à travers des semences améliorées d'améliorer la productivité agricole. Ça ne doit plus être un projet pilote, ça doit être maintenant un projet qui sera vulgarisé partout sur le territoire national parce que nous avons tous vu l'impact que ce projet a apporté au niveau donc du cadre de vie des populations, au niveau de l'amélioration de leur niveau de vie et au niveau de la réduction de la pauvreté. À travers projection de films documentaires et communication, il est question au cours de cette journée de capitaliser sur les acquis des projets PANA en vue d'accroître l'efficacité des interventions actuelles et futures dans le domaine des changements climatiques au Burkina. Voilà donc pour ce programme national d'adaptation à la variabilité et au changement climatique qui pense désormais à l'avenir. Les partenaires au développement du Burkina Faso, que sont les ONG et les autorités décentralisées, souhaitent une plus grande synergie d'action pour relever les nombreux défis de développement. Les troisième journées nationales de concertation ONG-État ont interpellé ses partenaires sur leur rôle dans la mise en œuvre de la SCAD. Ismaël Diloma, Siri Massi, Sylvestre Da. Les représentants des organisations non gouvernementales et des associations de développement face aux membres du gouvernement. Cette rencontre intervient dans le cadre de la troisième édition des Journées nationales de concertation État-ONG. Il s'agit pour les deux parties de penser à lever les difficultés liées au partenariat ONG-autorité locale, notamment la méconnaissance et la non-implication réciproque dans l'élaboration des différents plans d'action. Nos échanges se focaliseront notamment sur l'état des lieux des plans locaux de développement et l'implication des ONG et associations de développement dans le processus d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi d'évaluation de ces instruments de planification, ainsi que la stratégie de mobilisation des acteurs de développement vers les collectivités locales en vue d'une synergie d'action. Vous avez les conseils régionaux
vous avez également les conseils municipaux qui développent des activités à travers donc, des programmes qui sont définis en fonction des politiques sectorielles définies par le gouvernement. Et notre apport à ce niveau est assez important pour permettre de nous mettre d'abord en synergie avec ces plans, mais aussi de pouvoir capitaliser notre expérience et faire en sorte que les actions aient plus d'effet sur le terrain. Ces journées de concertation se tiennent sous le thème « Contribution des jeunes à la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et développement durable SCAD ». En marge de la cérémonie d'ouverture, une visite des stands d'exposition a permis au ministre de voir les réalisations à l'actif des ONG sur le terrain. À l'université de Ouagadougou, enseignants, chercheurs et spécialistes des questions de population en Afrique réfléchissent à des solutions pour une croissance démographique au service du développement. La rencontre sur la dividende démographique a ouvert ses portes ce matin. C'est Sylvestre Da. Comment les pays d'Afrique peuvent-ils tirer profit de la transformation de la structure par âge des populations en cours, tant sur le plan économique, social que politique? C'est la vision et la démarche qui sous-tendent l'organisation de cette session de formation de Ouagadougou sur le dividende démographique. Fruit de la coopération entre l'Union pour l'étude scientifique de la population, l'Institut de formation et de recherche démographique et l'Institut supérieur des sciences de la population ont réuni une trentaine de participants. Des enseignants et anciens chercheurs des universités, ainsi que des représentants de l'Institut national de la statistique et de la démographie des 11 pays d'Afrique francophone. Cet atelier sur le dividende démographique a pour objectif donc de présenter tous les enjeux, tous les aspects conceptuels autour de ce dividende démographique, mais aussi avec l'objectif pour ce panel-là de pouvoir produire faire de la production scientifique, notamment il est prévu la production d'un ouvrage large public qui sera largement diffusé et présenté aux décideurs, à tous les acteurs du développement, pour montrer davantage les opportunités de ce dividende démographique-là et comment justement nos pays en Afrique peuvent vraiment en tirer profit. Plusieurs sessions de formation sont à l'ordre du jour de cette rencontre qui va s'étendre sur 5 jours. De retour dans les institutions respectives, ces démographes devront être des relais et continuer de renforcer les capacités de recherche de nos pays sur les liens entre population et développement afin de mieux orienter les décideurs dans leurs choix sociaux, économiques ou encore politiques pour le bien-être des populations. Et pour ceux qui veulent mieux connaître l'Université de Ouagadougou, elle a ouvert ses portes au public depuis hier lundi. Vous avez jusqu'au 30 novembre pour visiter les laboratoires des filières professionnelles, entre autres. Visite guidée avec Cie Sylvestre Da. Recherche scientifique et professionnalisation des filières de formation pour une université de développement, c'est sous ce thème que l'Université de Ouagadougou ouvre ses portes au public. En plus des stands d'exposition, les amphithéâtres et les laboratoires peuvent être visités librement et ce jusqu'au 30 novembre. Les visiteurs pourront aussi assister pendant les 5 jours à des communications scientifiques, à des conférences sur la problématique de la formation professionnelle et celle de la recherche scientifique. Les journées portes ouvertes de l'Université de Ouagadougou donnent le top départ donc des réflexions concertées, que ce soit avec le secteur privé, que ce soit avec les différents partenaires techniques et financiers. Ils doivent réfléchir à ce que la formation et la recherche scientifique et la formation professionnelle conduisent vraiment à une professionnalisation véritable, afin que les têtes pleines qui se forment au sein des campus obtiennent un peu plus rapidement donc de l'emploi, ou voire même, en tout cas, s'installent en termes d'auto-emploi. Ces journées portes ouvertes verront l'inauguration d'un incubateur d'entreprise au sein du campus des Oronans. Il va offrir un espace d'encadrement à tous les jeunes porteurs de projets. Ce sera également l'occasion pour eux de découvrir les nombreuses filières professionnalisantes de l'Université de Ouagadougou. Nous avons au minimum une soixantaine de filières professionnelles aujourd'hui qui fonctionnent normalement à l'Université de Ouagadougou. Mais leur visibilité est atténuée par le fait que ce sont des formations qui ont des exigences particulières où le nombre d'étudiants par promotion est très réduit, au maximum 25. S'il y en a trop, c'est 50. Ce qui fait que par rapport à l'ensemble de l'université, c'est des filières qui ne sont pas visibles. Sinon aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'elles soient les plus nombreuses. L'organisation de cette activité est saluée par les parrains, le premier vice-président de la Chambre de commerce de l'Industrie du Burkina, Lassine Diawara, ainsi que par les membres du gouvernement présents à l'ouverture des journées. Le public, lui, semble avoir déjà adhéré au vu de l'affluence qui va croissante. Et nous ouvrons le chapitre communication de ce journal avec la prestation de serment d'Odile Kabore Tiendrebeogo en qualité de conseillère au Conseil supérieur de la communication.
inspecteur du Trésor. Elle a été nommée en Conseil des ministres le 18 septembre dernier au titre de la présidence du FASO en remplacement de Franceline Naré-Oubda. Appelée à d'autres fonctions, la nouvelle conseillère s'est engagée à bien remplir sa mission dans une totale impartialité. Odile Kabore Tiendré-Beogo, comme vous le voyez là en image, a prêté serment devant la cour d'appel de Ouagadougou ce matin. Le sujet principal du CEFOR 2013 à Ouagadougou, c'est la politique en matière de production et de recherche de financement pour booster la production locale. Responsables et professionnels des médias publics francophones ont décortiqué le thème de ce 22e CEFOR, le point des échanges avec Yolande Lompou. Différentes sont les salles qui les accueillent, mais leurs préoccupations restent les mêmes. Ces professionnels de l'audiovisuel des pays d'expression française n'ont qu'un seul objectif, produire des documentaires et des séries capables de rivaliser avec ceux des pays étrangers. Au centre des débats, les sous-thèmes tels les enjeux stratégiques de la production, la recherche de financement et la redéfinition de la notion de proximité culturelle et linguistique pour camper le décor. Face à une salle polyvalente, faite de directeurs d'organismes africains, mais faite également de journalistes, on a pu débattre de ce sujet qui porte en lui-même une inquiétude assez importante, je pense, en Afrique. Et pour faire face à la concurrence, ces organismes devront revoir le contenu des émissions proposées et faire un sondage au sein du public afin de faire apprécier à sa juste valeur ce qui est diffusé. À ce 22e rendez-vous, des pays comme la France, les Seychelles et la Côte d'Ivoire partagent leurs expériences dans le domaine de la télévision numérique terrestre et de la collaboration avec les producteurs privés. Il faut faire une télévision qui nous ressemble, mais une télévision qui nous plaît aussi. Et comment ça peut nous plaire? Et une piste a été de travailler en collaboration avec le privé. Donc les producteurs privés pourraient se joindre aux télévisions publiques pour faire une coproduction en amenant leurs compétences, leur dynamisme, leur savoir-faire associé aux moyens publics. Il ressort de ces échanges que les chaînes à l'interne devront mettre les producteurs à leur place en leur donnant le temps de bien faire. Elles devront former leur personnel, revoir leur politique administrative et avoir la capacité de préserver les acquis. Produire local aussi ne veut pas dire que les télévisions publiques doivent se fermer au monde. Il faut s'ouvrir au monde, recevoir d'ailleurs, mais pouvoir en donner. Parce que nous nous retrouvons dans une situation où la qualité de nos productions est telle que nous recevons des autres chaînes, mais nous avons des difficultés à faire circuler nos propres images parce qu'il y a des questions techniques qui sont là, qui ne sont pas respectées. En plus des travaux en atelier, le marché des échanges, l'espace virtuel et des travaux sur la numérisation et la sauvegarde du patrimoine audiovisuel alimenteront le menu du programme élaboré par le CITEF en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie à cette importante manifestation. Le ton était plus relax dans la soirée. Après la journée de travail, la direction de la RTB a offert un cocktail de bienvenue aux participants au CEFOR. Un petit moment de détente bien apprécié. Isaïe Parkouda, Abdourasmane Zongo. Après une journée de travail, les participants à ce 22e CEFOR se retrouvent au jardin de la radio-télévision du Burkina. Question de décompresser, mais aussi de nouer, de renforcer des partenariats allant dans le sens d'une amélioration de la qualité des productions audiovisuelles locales. Une façon pour la direction générale de la RTB de souhaiter la bienvenue aux participants venus d'horizons divers. Il est de bon ton, dans la pure tradition burkinabé, pour ne pas dire dans la pure tradition africaine, que qu'après avoir accueilli l'étranger, les amis, ben nous puissions consacrer un temps pour célébrer une rencontre, pour célébrer des retrouvailles. Et les anciens ont toujours su le faire à travers l'eau de bienvenue. C'est une activité très symbolique pour nous, dans la mesure où ce cocktail qui est offert nous permet en tout cas de partager des moments ensemble, dans une dynamique de prolongement
de nos concertations à l'issue des ateliers de cette journée. À cette soirée conviviale, les organisateurs du CEFOR 2013 avaient à leur côté des partenaires de taille, dont la Chambre des mines du Burkina, une structure qui fait de la communication un atout majeur pour la promotion de ses activités. La Chambre des mines a décidé d'apporter son soutien justement à cette activité, et tout simplement parce que en fait, le CEFOR, les communicateurs et la Chambre des mines sont des partenaires, c'est-à-dire que dans le développement. La Chambre des mines, en tant que levier de développement, a besoin de ce secteur-là pour mieux faire connaître ses activités. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un partenariat stratégique que nous avons demandé de soutenir, que nous allons essayer de voir pour renforcer. Les activités du CEFOR se poursuivent jusqu'au 30 novembre prochain. Il est un véritable cadre de partage, d'expérience pour les professionnels des radios et télévisions. La coopération entre le Burkina Faso et le Japon, très bénéfique pour l'École nationale des eaux et forêts de Dendereso. Le projet initié en 2012, grâce à ce partenariat, a été matérialisé par la construction de nouvelles infrastructures et l'acquisition d'équipements. Coût de ces réalisations, plus de 4 milliards de francs CFA. Voici pour vous la réception de ces réalisations. C'est avec Widjaro Kiasano. Ceci est le résultat de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités d'enseignement et de formation de l'École nationale des eaux et forêts, ENEF, de Dendereso. Un amphithéâtre de 600 places, des salles de classe, un laboratoire, des dortoirs, des logements pour le personnel d'encadrement, du matériel électrique, didactique et roulant, pour ne citer que cela. Toutes ces réalisations officiellement remises aux autorités ce matin sont nées de la coopération avec le Japon. Sur un coût total de plus de 4 milliards 24 millions de francs CFA, l'Empire du Soleil Levant a déboursé plus de 3 milliards 500 millions de francs CFA. Nous devons faire de telle sorte que ce peuple japonais soit fier de l'appui qu'ils font au Burkina Faso. En quoi faisant? En étant des étudiants modèles, studieux, professionnels. Ils doivent considérer ces bâtiments, ces locaux, ces dortoirs, ces outils pédagogiques-là comme leurs propres outils à eux. Donc il faut bien l'entretenir, il faut bien les conserver. Donc encore une fois, nos grands remerciements de reconnaissance au nom du gouvernement, au peuple japonais, à l'ambassadeur. C'est dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques que cette aide non remboursable a été octroyée au Burkina Faso en 2010. Je voudrais féliciter notre partenaire burkinabé et japonais qui ont bien travaillé avec dévouement pour réaliser ce projet. J'espère bien que les gens forestiers de l'école puissent développer et puis développer leur capacité de gestion des ressources naturelles. Ces infrastructures et équipements sont un accompagnement considérable pour l'ENEF, engagé dans un processus de restructuration depuis quelques années. Outre l'amélioration des conditions d'études dans cette école, la finalité est son ouverture à la sous-région et la reconnaissance de ses diplômes par le CAMES. En RDC, quatre proches de Jean-Pierre Bemba, dont le numéro 3, ont été arrêtés dans l'affaire Jean-Pierre Bemba. Ils sont accusés d'avoir empêché la justice de faire son travail. À Kinshasa, le LMC, le parti de Jean-Pierre Bemba, crie à l'acharnement et menace de suspendre sa participation à l'Assemblée nationale. C'est donc l'actualité hors de chez nous de notre journal. Voilà, et puis cette information qui vient de tomber, la FIFA a rejeté l'appel du Burkina Faso dans son match face à l'Algérie. L'instance internationale a estimé que la requête n'a pas respecté la forme et en plus, l'Algérie, selon la FIFA, n'a commis aucune irrégularité. Bouguer n'avait pas de carton. Elle ne dit absolument rien sur les faits de jeu. Épisode donc définitivement clos pour les étalons. Et puis pour terminer ce communiqué, à l'occasion des nuits atypiques de Kourougnak, le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale porte à la connaissance des travailleurs et des employeurs des secteurs publics et privés que les journées de travail sont déclarées continues de 7h à 14h dans la commune de Kourougou. Pour la période allant du 27 novembre au 1er décembre 2013, il rappelle aux employeurs et aux
travailleurs qu'ils devront s'organiser pour assurer le travail dans les secteurs à activité continue. Pour le ministre et par délégation, le secrétaire général Koudoubi signalait ce donc demain 27 novembre 2013 que s'ouvre à Kourougou donc l'édition 2013 du Festival des Nuits Atypiques de Kourougou. 26 groupes, dont 5 groupes de la sous-région ouest-africaine, vont se produire au théâtre populaire de cette ville. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes sur la télévision du Burkina. À demain.